Bonjour Monsieur Boutros-Ghali et merci de nous accueillir ici dans ce grand amphithéâtre où va s'ouvrir mardi la 47e Assemblée Générale de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Alors, c'est un amphithéâtre qui a été construit au lendemain de la guerre et qui est aujourd'hui trop petit pour accueillir toutes les nations nouvelles qui apparaissent à la surface de la planète. Depuis l'admission de la Géorgie, l'ONU compte 179 nations membres. Mais vous allez faire aménager toutes les travées qui sont là de façon à pouvoir en accueillir 195 délégations. Alors vous êtes arrivé aux commandes de cette maison il y a 9 mois, à un moment où, pour la première fois, on commençait à se dire que l'ONU allait peut-être enfin pouvoir remplir la mission pour laquelle elle avait été créée il y a de cela 47 ans, c'est-à-dire maintenir la paix et la sécurité internationale, assurer la justice, faire respecter les droits de l'homme et favoriser le progrès social. Alors pour l'instant, on ne voit pas grand-chose venir. On a même l'impression en France que le conflit de l'ex-Yougoslavie devient chaque jour plus difficile à résoudre. Deux jeunes casques bleus français, dont l'un était d'ailleurs un appelé volontaire, sont morts cette semaine et ce drame, il faut le dire, a ému l'opinion chez nous. Est-il normal que les deux hommes aient été si mal protégés contre les coups bas de ceux qu'ils venaient aider? Que faudrait-il faire? Que peut faire l'ONU qui a un drapeau, mais pas d'armée à elle, pour faire respecter ses décisions? Le conflit de Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, nous frappe parce qu'il a éclaté à nos portes, mais nous savons bien que ce n'est que l'un des 12 ou 13 points chauds dans lesquels vous vous efforcez d'essayer de rétablir la paix. Ce n'est donc, hélas, pas l'actualité qui va nous manquer ce matin. Mais naturellement, nous n'aurons pas le temps de parler de tous ces points chauds. Mais nous voudrions aider les Français, au fond, à comprendre, à travers un certain nombre de drames, comment on peut espérer, quand on est secrétaire général de l'ONU, rétablir la paix, la maintenir, la consolider, et surtout, comment on peut éviter que de nouvelles guerres éclatent en pratiquant une diplomatie préventive et peut-être même un déploiement préventif des forces. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, Monsieur Boutros-Ghali, l'adaptation de l'ONU au monde qui change? Est-ce que les grandes décisions intéressant 5 milliards d'hommes vont pouvoir continuer à être prises dans la salle qui est là-bas, de l'autre côté du bâtiment, par un conseil de sécurité qui reflète l'équilibre d'il y a 47 ans et ne compte parmi ses membres permanents ni le Japon, ni l'Allemagne, ni le Brésil, ni l'Inde? Je sais que vous avez des idées précises sur tout cela, mais avant que nous en parlions avec Alain Chalvron, qui est directeur adjoint de la rédaction de France 2, et avec Bruno Albin, qui est notre correspondant ici à New York, je voudrais que le public français vous connaisse un peu mieux, vous personnellement, Monsieur Boutros-Ghali. Alors Albert Duroy va vous poser un certain nombre de questions sur vous-même et sur l'ONU. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. Je voudrais savoir d'abord, à votre avis, quelles sont les qualités requises pour occuper la fonction que vous occupez? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais présenter mes condoléances au peuple français et au gouvernement français pour la perte de ces deux casques bleus. Nous avons tenu une réunion hier, nous avons eu un moment de silence et je pense aux familles de ces deux casques bleus et je pense aussi à tous ces casques bleus qui sont morts pour défendre la paix. Il y a un certain paradoxe dans ceci. Mais maintenant, je reviens à votre question. Nous en reparlerons tout à l'heure de la Yougoslavie. Je reviens à votre question. Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon secrétaire général? Je pense qu'il faut beaucoup de patience et qu'il faut beaucoup de ténacité. Les négociations, les pourparlers sont des opérations extrêmement lentes. La diplomatie, contrairement à une action coercitive, ne donne des résultats qu'au bout de nombreuses années. Et qu'est-ce qui, dans votre vie à vous, vous a, comment dire, prédisposé à occuper ces fonctions? Comment vous avez été préparé à ces fonctions? J'ai quand même dirigé les affaires étrangères égyptiennes pendant 14 ans. Ça m'a appris la patience. Ensuite, j'ai enseigné dans différentes universités du monde pendant une trentaine d'années. Et c'est aussi, il faut beaucoup de patience pour pouvoir engager un dialogue avec la jeunesse. Et je pense que ces deux métiers m'ont amené à accepter la patience et la ténacité